âge. T'en fais pas un peu trop. Bon, ok. Je préfère. J'ai été la plus sage possible. Comme tu sais, un Noël sans livre, c'est comme un avion sans ailes, un lama sans crachat, une pomme sans pépin, une fleur sans... Ok, on a compris. Moi sans la voix off. Bref, ça ne serait pas Noël. Alors, pour cette année, j'aimerais... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi, à la fin de l'année, je me retrouve avec une longue liste des livres que j'aimerais bien avoir sous le sapin. Limite, tu peux faire un sapin avec. Par exemple, cette année, j'aimerais beaucoup avoir le livre des Baltimore de Joël Dicker, parce que j'avais tellement adoré le premier que, bien entendu, il me faut le deuxième. J'aimerais beaucoup me plonger dans le polar noir de Criminal Loft, d'Armel Carbonel. Pourquoi ? Parce que j'adore le concept. Il y a 8 condamnés à vie qui se retrouvent donc du coup dans le couloir de la mort et qui participent à une télé-réalité où toutes les semaines, un est sauvé et un est éliminé. Et va du coup regagner son triste sort. Cette histoire m'intéresse beaucoup. J'aimerais lire Dernier Désir d'Olivier Bordacar parce que j'en ai entendu beaucoup parler et pareil, le principe me plaît pas mal. Donc c'est une famille qui vient s'installer et en face, le voisin va leur souhaiter la bienvenue et j'ai cru comprendre qu'il va petit à petit mettre les mêmes habits que le papa, construire la même maison que les voisins. J'ai envie de découvrir ce grand malade et ce polar. J'aimerais beaucoup avoir la suite des Hauts Compteurs parce que c'est pas le tout de lire le 1 qui m'avait énormément plu, mais j'aimerais bien du coup lire la suite. J'aimerais bien connaître le livre L'année du rat de Régis Descôttes. Déjà parce que j'en ai entendu parler via la chaîne de Cédric Armen. Et puis l'année du rat. J'ai pas besoin d'explication, c'est bon. J'aimerais baver tout comme je bave devant mon livre d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, celui-ci, c'est dans la même collection, les éditions Soleil Collection Métamorphose. Et c'est les contes macabres d'Edgar Allan Poe, rien que ça, illustré par Benjamin Lacombe. Je remercie du coup tout particulièrement Thalias Reynal pour me l'avoir vicieusement conseillé car à la base, je ne savais pas qu'il existait d'autres livres de cette collection. Et ils sont tellement beaux qu'il y a vraiment de quoi me faire craquer. Merci à toi si tu passes par là. Je ne peux plus vous le montrer parce que je l'ai jeté, mais j'aimerais bien retrouver un clip online performant qui ne dure pas qu'une heure et demie parce que le concept était génial mais n'a pas tenu. Or, j'aimerais bien en trouver un qui tient. J'aimerais beaucoup avoir une bougie donc de Lily Bookin et cette fois-ci c'est celle de Outlander parce que j'ai bien l'intention de commencer cette série. Donc je me dis ça peut être pas mal de dailler l'odeur plus la lecture. Autant j'ai du mal à lire avec de la musique, mais alors avec une bonne odeur qui correspond à la série, moi je fonce. Enfin non, je fonce pas parce que je le demande dans ma liste. Je demande fictivement, je demande hein, bien entendu, parce qu'on ne peut pas tout avoir et c'est bien pour ça que je fais cette liste de si c'était possible. J'en avais déjà parlé lors d'un tag, mais j'aimerais beaucoup avoir Les Contes de Grimm par Philippe Pullman, édition Gallimard Jeunesse, et celui-ci me fait baver depuis le mois de mai. J'ai toujours pas craqué, donc ouais, j'aimerais bien l'avoir sous le sapin celui-ci. J'aimerais bien avoir une ou deux bibliochaises parce que pareil, je trouve le concept fort sympa. J'ai jamais de place pour ranger tous mes bouquins, c'est toujours une horreur. J'ai beau racheter des bibliothèques, mais à un moment donné, bah je peux pas racheter de pièces ou agrandir mes murs. Je trouve qu'une bibliochaise, ça serait super génial. Papa, si tu passes par là, tu m'avais proposé un jour de m'en faire une. Ça fait maintenant un an que j'attends et j'ai beaucoup plus de livres que l'année dernière. Donc si tu comprends le message, ou alors j'aimerais bien avoir un hamac. Ça sert pas à ranger des livres, mais je trouve ça trop cool pour lire. Quoi qu'on peut mettre des livres dessus et les balancer comme ça. Allez, et si tous les rêves pouvaient devenir réalité, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir sous le sapin cette année. Mais allez-y, soyez illimités. Je te remercie d'avance. Bisous.